C'est fait mieux proprement. Là, j'ai fixé le nouveau foyer avec des vis auto-foreuses. Vu que c'est de l'alu, je ne peux pas souder. Ça, c'est pour le tirage. Plus vous ouvrez, plus il y a du tirage, vous fermez. Voilà. J'ai mis une trappe devant, justement. C'est pour la cendre, pour pouvoir mettre un coup d'aspirateur à cendre le lendemain matin quand c'est bien froid. Tout est démontable, il n'y a rien de soudé. C'est tout vissé. Là j'ai mis une grille dedans, je verrai s'il n'y a pas de tirage, je la fais sauter la grille. Ça c'est pour pas que ça obstrue justement le conduit. Voilà le foyer, c'est un peu plus maniable que celui que j'avais fait la première fois. Pour le moment ça va mieux, plus qu'à faire le trou du haut pour mettre le bois. Complètement remodifié. J'ai refait un foyer parce que l'autre il était beaucoup trop petit. L'évacuation, j'ai mis des tuyaux de 120 parce que les autres c'était du 80, c'était trop petit. Là j'ai toujours laissé la grille, le remplissage. Donc, il y a une grille pour le tirage, on verra, tirage du haut, si ça marche ou ça marche pas, si ça marche pas. Là c'est pour le tirage du bas. Je vais en faire. Ça c'est le foyer. Au fond j'ai mis une grille. Là j'ai fait une petite plateforme pour pas que les braises tombent par terre. Alors certains internautes m'avaient dit comment on fait pour la cendre. Ben la cendre,
vu que c'est pour mon atelier. La cendre, le lendemain matin, quand il est froid, j'ai un aspirateur à cendre. Je mets un coup, j'aspire tout. Et on rallume le feu après. C'est complètement démontable. Il n'y a rien de soudé. Voilà, trappe fermée. J'ai fait une petite poignée en bois. J'ai mis un tuyau de 520, un peu plus long, pour pouvoir plus charger le bois avec la grue au-dessus. Là, c'est toujours pareil, le même système. Tuyau central, le sable, et après, le troisième compartiment pour l'évacuation de la fumée. On voit pas bien. Là, c'est mon pic et la petite raclette pour vider la cendre au cas où je le fais manuellement. Et voilà mon thermomètre. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Faut que je le mette en route, faut que je l'allume. J'ai fait un serpentin en tuyau souple. Bon, pour le moment, je vais l'arrêter là. Je les mets en l'air, mais bon. On va le tirer droit comme ça. Comme ça, ça me chauffera la tête cet hiver. Ce sera le coin chaud. Vu que la fumée, elle est chaude, ça sert à rien de l'évacuer tout de suite. Alors, j'ai un autre tuyau souple, alors je pense que je vais le faire tirer par là et le monter là-haut. Enfin ça, on verra par la suite. Là, il ne fait pas encore froid. Là, c'est ma réserve de bois, ma caisse à bois. Et voilà l'ensemble. Un bois, un bon petit coin chaud.